Mardi, à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des soignants qui revenaient de Gaza. Que nous racontait une infirmière qui en revenait? Elle nous racontait un médecin palestinien qu'elle a trouvé en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il venait de sauver la vie à une petite fille de 8 mois. Et après avoir sauvé la vie de cette petite fille, il s'est dit « Mais pourquoi lui ai-je sauvé la vie ?» Elle a été amputée des deux bras à cause d'une explosion dans laquelle toute sa famille est morte. Elle est seule, amputée à vie et dans l'enfer de Gaza. Il dit peut-être que j'aurais dû laisser cette petite fille mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de ce que ça veut dire quand des soignants en arrivent à dire ça. Pourquoi nous avons dit cessez le feu dès le 7 octobre? Parce que nous savions ce qui allait se passer. Et ce qui est en train de se passer est un risque génocidaire avéré par la Cour internationale de justice. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Mais c'est pas la question de. C'est la question qui est posée. C'est qu'il y a une attaque terroriste le 7 octobre. Et alors, lorsqu'il y a eu une attaque terroriste en France, est-ce que la France a été commettre un génocide à quelque part? Non. Mais attendez. La France n'a pas fait ça.